Moi, je dis sur la route, faut être prudent parce que le danger vient toujours des autres. Tiens, l'autre, je rentre d'une côte. Y a un type qui avançait pas devant moi. Y avait la ligne jaune, mais j'ai pas attendu, hein, j'ai doublé. T'as bien fait. Ouais, seulement tu te rends compte si un connard était venu en face. Moi, l'autre fois au carrefour, là, c'était rouge, j'étais pressé, je suis passé quand même. T'as bien fait. Ouais, ça m'a un gars, serait arrivé de l'autre côté, je le bigornais, moi. En plus, lui, le gars, il sait pas que t'es pressé, il fonce. C'est vert, il passe, le con. Et puis ces types-là, ils sont pas maîtres de leur véhicule, ils sont crispés. Moi, quand je conduis, j'ai toujours un thermos avec du cognac, ça me détend. Ils le disent à la sécurité routière, faut se détendre. Tous les 200 km, ils disent, tu bois un petit coup, tu te détends. Faut boire bien frais. Mais pas d'alcool pur, hein. Jamais. Mais c'est obligatoire pour la sécurité. Ils l'ont dit au journal de TF1 sur la 5. Obligatoire, ils ont dit, volant en fourrure à l'avant, ceinture à l'arrière. Ouais, dans le coffre. Faut faire vérifier ses freins aussi, c'est important, ça. De toute façon, tes feux arrière, quand tu freines, ils s'allument. Bon, les miens, ils sont pétés depuis longtemps. Et le système anti-pollution, tu l'as, toi? Ah non, moi, j'ai pas de pot d'échappement du tout, comme ça, je pollue rien du tout. T'es pas gêné par le bruit? Non, je mets des cotons-tiges dans les oreilles. Moi, j'ai le pare-brise qui est tout en écusson de là où je suis allé cet été. Ça m'isole rudement bien, puis ça me distrait en même temps. Ça te gêne pas pour la visibilité? Non, je conduis tout à l'oreille, moi. À moi, pareil, c'est les klaxons des autres qui me guident. Seulement, faut être bien à l'écoute, mais regarde les aveugles dans la rue, ils se dirigent qu'au bruit. Ils ont pas plus d'accidents que les autres. Et tu te fais klaxonner souvent? Tout le temps, ça arrête pas. Et moi, je klaxonne aussi, pour remercier. Alors, ce qu'il y a de dangereux avec les piétons, c'est que eux, ils sont pas équipés en klaxon, alors on a du mal à les repérer. Ah, les passages cloutés, c'est ma hantise. Pour peu qu'il pleuve un peu, que tu sois en pneu lisse, paf, t'en écrases. Ça t'est déjà arrivé? Plus d'une fois. Ça t'a coûté cher? Tu penses bien que je me suis pas arrêté, je suis pas con. Le gars, il est mort, il est mort! Je vais pas y laisser mon adresse, hein. C'est sûr, hein, pour aller encore se choper un PV à 75 balles, merci bien, hein. Non, le drame à l'heure actuelle avec les voitures, c'est que c'est entre les mains de n'importe qui. C'est là qu'est le danger, y a pas de sélection.